You look lonely. I can fix that. Comment ça, mon ref? Qu'est-ce qui se passe encore là? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais on peut même pas commencer un épisode tranquillement là? Vraiment là? Attendez, j'arrive les loulous. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. Allez, 11e épisode, on enchaîne. Et voilà, tout le monde est mort, c'est impeccable. On vérifie qu'il bouge plus. Il bouge plus. Allez, comment il va? Ah oui. Ah oui, d'accord, bah il l'a bouffé direct. Oui, parce que j'ai repris mon dent de sabre croc de sang. Avec lui, on va faire des ravages. Ouais, 11e épisode, les amis, de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez, comme dit, apprécié tout de même le dernier épisode. Malgré que c'était un épisode de chiasse, hein, comme j'aime bien le dire. Eh, regarde-moi ça, il se régale le loulou. Il se régale le loulou, c'est un plaisir. Alors, les amis, je suis actuellement ici à ce feu de camp parce que aujourd'hui, comme convenu, nous allons voir la mission de Jaima la chasseresse. Joignez-vous aux chasseurs de Jaima pour abattre un puissant mammouth. Sauf que on est dans une zone de la map où il y a pas mal de points d'interrogation, donc des lieux inconnus. Donc autant voilà, commencer ici pour un petit peu découvrir tout ça. Je me suis un peu baladé en off, mais rien de bien incroyable. Regardez, j'ai juste, vous avez vu, cette zone là qui s'est un petit peu dévisagée. Parce qu'en fait j'essayais en off de chasser eh bien, du blaireau. Juste là, la zone du blaireau. Puisque Ulrich le penseur, il est dans cette zone là, hein, souvenez-vous. Je sais plus exactement où, mais il est par là, là le penseur, Urki le penseur, pardon. Donc je me suis un peu baladé par là pour trouver du blaireau. Spoiler alert, j'en ai pas trouvé. Par contre, voilà, j'ai pu découvrir qu'il y avait des avant-postes et des bûchers par ici, qu'on fera évidemment par la suite tranquillement. Mais voilà, je me suis pas plus avancé, ça servait à rien. Voilà, c'est le seul truc que j'ai fait en off. Je peux même confectionner quelque chose puisque j'ai de la peau de jaguar. Actuellement, je peux transporter 6 pièges et 3 bombes. Maintenant, je vais pouvoir en transporter 8 de pièges et 4 bombes à piquant. La ceinture de chasseur est améliorée au maximum. Et si ça, ça mérite pas un like, je ne sais pas. Un petit point de compétence à s'attribuer. Agilité avec arme. Le changement d'arme est bien plus rapide même lorsque vous sprintez. Après, ça nous donne quoi? Lancer d'arme en déplaçant un corps. Mais ça me sert à rien. Par contre, santé supplémentaire, ça, ça m'intéresse. Donc, on va commencer à apprendre des compétences par ici. Parce que un point de santé supplémentaire, ça, franchement, je dirais pas non. Voilà. Donc, les amis, c'est parti pour l'exploration. Bonjour. Quand Guardiou? Oui. Cherche pas la petite bête, toi. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Hein? Ça m'a l'air bien mignon. Ça m'a l'air bien mignon. Il n'y a que dalle à récupérer, mais c'est superbe. Attendez, j'ai l'impression qu'on veut notre mort là. Ouais, c'est ça. T'as peur, hein? T'as peur. Ensuite, un autre point d'interrogation. Juste en face, un peu plus haut. On va y aller. Voilà, là, on va enchaîner les points d'interrogation et se joindre directement chez Jaima. Vous l'aurez compris. Jaima la chasseresse. Par contre, moi, Jaima, elle est bien mignonne. Hein. Elle m'appelle Mama Fadi, hein, le pied de mammouth, hein, comme vous le savez. Oh, attendez, il y a un Doritos à récupérer là. Il y a un Doritos à récupérer là. Il était en haut. Vous allez vous calmer, les sangliers. Mais attendez, on est déjà passé par là, je m'en souviens, non? On était déjà pas passé par là? D'où il y a un Doritos à récupérer là? Bref, mais moi j'aimerais bien retrouver la cueilleuse Syla, vous savez, parce que c'est notre sœur du début quand même. Hein. Bon, c'est certainement dans une grotte. Oh là, il y a une main d'Aïcha dans la flotte. Il y a une main d'Aïcha dans la flotte. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah si c'est vous qui les attaquez, hein, vous débrouillez. Hein. C'est pas mon problème. Hein. Attendez, on va juste récupérer la main d'Aïcha dans la flotte. Vous savez, il faut quand même bien explorer. Hein. On ne l'aurait pas vue. Hein. Alors où c'est qu'elle est? Où c'est qu'elle est, la main d'Aïcha? On va faire attention au crocodile quand même. Ah! Wesh! Ah ouais, d'accord. Eh, le pire... Non mais attendez. C'est phénoménal ce qui se passe. Non mais... Pardon? Non, tu rigoles. Ah, je suis vraiment mort là? Il m'a vraiment one shot? Ah ouais! D'accord. Ah ouais, il m'a vraiment one shot. Non mais attendez là les gars, c'est une foutaise. C'est une foutaise. Ouah, je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus. Bon, ouais, en fait, je suis allé en plus trop loin parce que regardez, oh, il y a du sang là. Incroyable. Bonjour. Mais attendez, il y a moyen d'aller dans la flotte sans mourir ou... Allez, on tente. Le plongeon du seigneur. Ah ouais, d'accord, il est sous le... Non, elle est là, elle est là.
Elle est là. On la récupère. Hop. Et voilà, on se barre. N'ayez pas peur, à tout moment un crocodile revient. 19ème sur 100, parfait. Ça c'est superbe. Voilà. Putain, j'ai eu si peur, bordel. Alors le lieu inconnu, mais mets-moi le lieu inconnu, bordel. C'est ici que tout commence. Ouais ouais, bon les sangliers ils vont se détendre hein. Voilà, j'ai pas trop peur parce qu'en vrai mon dent de sabre, voilà. Bah déjà il les a tués, comme vous pouvez le voir. Mais surtout, bah il leur fait peur. Donc c'est assez cool, c'est assez cool. Il y a des petits poulets, il y a des petits singes, c'est mignon. Qu'avons-nous là? Ça va collègue? Camp du poisson séché. Pas de problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais les gars, mais arrêtez de crier! N'ayez pas peur, je vais vous aider. Hop! Voilà, il prend feu. Il prend feu, ce sera déjà pas mal. Voilà qui est fait. C'est complètement dingue ce qui se passe. On va pouvoir continuer. Donc juste ici, un petit lieu inconnu sur le chemin. Il y a une main d'Aïcha dans l'eau là aussi. Hein. Ah là là, j'ai envie de tous les faire, bordel. Il y a une main d'Aïcha là aussi. Non mais tu rigoles. Il y a des mains d'Aïcha partout. C'est phénoménal. Alors on va faire un TP rapide. Parce que le soleil se couche et du coup je vais quand même en profiter pour dormir. Hein. Ouais, on entend les loups qui commencent à se réveiller tranquillement. Hop, dormir jusqu'à l'aube. Bref, en tout cas, j'espère que vous passez une bonne semaine. J'espère que vous passez un bon week-end. Je ne sais même pas quand sortira cette vidéo. Je ne sais pas quand vous la regarderez non plus. J'espère que voilà, vous passez un joyeux Hunger Games finalement. Voilà, si vous avez envie de vous dépayser, j'en profite pour faire de l'autopromotion. Puisque j'ai une chaîne YouTube secondaire, une chaîne YouTube de moto. Pour ceux que ça intéresse. Et mon pseudo, pour me trouver, vous tapez Mkolo. Sauf que juste avant Mkolo, vous rajoutez un S. SM Colo, voilà, et vous me trouverez. C'est moi, voilà, c'est moi. Mais pas dans les mêmes conditions, quoi. Alors, par ici, Paris Hilton. C'est ici que tout commence. Là, on va se faire des points de compétences gratos, n'empêche, en explorant. Bien sûr, c'est sur le chemin. On peut trouver des peaux de bêtes qui pourraient nous être utiles pour améliorer les huttes. Ce serait vraiment superbe. Oh, c'est très joli. Mais c'est que c'est très joli par ici, dis donc. Pêchoir de Pardal. Waouh. Y'a rien à récupérer, c'est juste des lieux à explorer, à contempler, c'est magnifique. T'es sérieux toi? Dégage. C'est bien. C'est bien mon loulou. Ensuite, on enchaîne. Bah bon, j'aimerais bien me faire la main d'Aïcha, putain. En vrai les gars. Je refais un TP rapide ou pas? Hein? Vas-y, on va y aller en marchant. Parce que bon, les TP rapides ça va 2 minutes. Explorons quand même. Hein, c'est des lieux où on s'est pas forcément promené. Allez, viens la bichette là. Je vois que t'es en train de chercher la mouise. Mais c'est vrai que c'est chiant par contre parce que ça fait que de crier tout le temps. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a le feu là? Pourquoi il y a le feu? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Qu'est-ce que vous avez fait encore à Mère Nature? Bon, j'espère qu'un croco va pas me terminer, mais en tout cas... Ah ouais. Ah ouais. qu'est-ce que c'est que ça? Poudre de roc du sud, pas de problème. Allez, on y va, on a qu'une seule vie de toute façon. Hein. On a qu'une seule vie. On se bandit. A tous les coups, c'est également sous la terre. Ce serait fort dommage. Alors là, tous les thalassophobes en sueur. Après, en vrai, elle est thalassophobe dans les lacs. Vous avez peur aussi ou pas? C'est une vraie question que je me pose. Regardez comme c'est paisible. On est bien là. Un petit bain matinal fraîcheur. C'est bon ça. Ok, je vois là. Ah! Je vois le poisson. Aïe! Ah la saloperie. Ah la saloperie. Allez, viens par là. Viens par la bichette. Voilà. C'est parfait. Voilà. Je vais me faire croquer le pied. Aïe. Ensuite, on a une autre main d'Aïcha ici, plus un lieu inconnu, donc c'est impeccable. Hein. On enchaîne, hein. On fait ça de manière logique, évidemment. Qu'est-ce que c'est là-bas? Attendez, c'est quoi? Mission de village. Aider les Wenja à placer un esprit totem. Oh.
Rien à foutre. Pour le moment, franchement, rien à foutre. Venez, on avance dans les... En vrai, autant avancer dans les quêtes principales pour pouvoir débloquer des choses, hein. Notamment l'antidote poison. Et puis après, on pourra faire plus de trucs secondaires. Dans tous les cas, on va un petit peu faire durer le plaisir, évidemment. Mais voilà, pour le moment, c'est un petit peu... Et on a déjà débloqué ce feu de camp, on est déjà passé par là, mais on n'a jamais vu à 80 pales pour le lieu inconnu, quoi. C'est ouf, hein. C'est ça qui est bon, on revient sur nos pas, mais au moins on redécouvre des choses, etc. Donc c'est cool. Alors, qu'avons-nous là? Oh, c'est dégueulasse par contre. C'est dégueulasse. 21 sur 100. On est à 20% hein, d'avoir complété les mains d'Aïcha, c'est un vrai plaisir. Là, comment on fait pour monter? On va monter par là, je pense. On va voir ce petit lieu inconnu. Ah, mais comment j'escalade là? Y'a pas de grappin là? Attends, mais t'es censé monter comment là? Qu'est-ce que cette histoire encore? Viens par là, bébé. Viens par là. Ce sera bien plus pratique. Hop. Et après, on va juste faire un point ensemble sur les ressources dont j'ai besoin pour améliorer les huttes. Pour que vous compreniez bien un petit peu mes petites problématiques. Ah ouh! Bah, il est où le lieu inconnu là? Je suis allé trop. Ah, mais il y avait un grappin ici. Mais tu fous de ma gueule ou quoi? Attendez, le jeu se fout de ma gueule. Ah, je suis peut-être allé trop haut. Je suis peut-être allé trop haut. Ok. J'étais juste en dessous avant. Ah non, je suis allé vraiment trop loin. Col de la dent de pierre. Ok, d'accord. Pas mal. Ensuite, on va pouvoir commencer à venir, eh bien, par ici. Regardez. Main d'Aïcha. Peinture rupestre. Voilà, on a une grotte. On a une grotte. Allez, on va se faire la grotte et on va se faire Jaima. Enfin, en tout bien tout honneur, hein, bien sûr. Des dôles. J'en ai besoin des dôles. Attendez, j'en ai besoin des dôles. Les gars, j'en ai besoin des dôles. Bah, je crois qu'il les a tous fumés. Je crois que j'en ai besoin des dôles, je suis pas sûr. Je dis peut-être une bêtise. Mec. Voilà. Fait plaisir le one shot. Hein. Eh mais attendez, j'ai l'arc... Mais j'avais... Ah si, arc long, ouais, c'est pour ça que ça fait mal. Parfait. Je crois que j'avais mauvais arc. Comment ça, j'ai plus de place? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Fais genre t'as peur maintenant. Fais genre t'as peur. Il est passé où? Wesh, il est passé où? Bon, je ne sais pas. Mais j'ai besoin de la peau de dôle, il me semble, non? C'est des poules? Ah mais non mais... Bah alors mon gars. Hop. Voilà. Allez, terminé, peser en balle. Merci, bonsoir. Allez. Des puces. Il n'y a plus de place. Ah oui d'accord, je peux vraiment plus rien faire. Juste pour vous montrer. Compétences. Bon, ça on s'en fout là pour le moment. Village. La hutte et la hutte, les deux huttes de Tansé et Carouche, c'est bon. Jaima, il me manque une peau de serre rare ainsi que quelques érables du sud. Les érables du sud, bah ça se trouve là où on se balade dans tous les cas, donc ça c'est pas un problème. Il nous faut juste de la peau de serre. Donc ça peut se faire facile. Là, à l'inverse, pour le Woga, il faut la cèdre du nord, ça se passe plutôt en haut. Peau d'ours des cavernes. Et la peau d'ours des cavernes, j'avais vu qu'il y en avait ici en bas. Dans tous les cas, c'est notre prochaine destination. Après, ours des cavernes, non ça c'est ours brun, mais je pense que voilà, ours des cavernes, il y en a là-haut, dans le nord, là où on trouve justement la cèdre du nord. Là, il me faut de la peau de mammouth pour Syla, et ça tombe bien puisque là, on va faire une mission avec les mammouths. Donc c'est parfait. Et puis là, il nous faut de la peau de blaireau pour la grotte de Takar. Et c'est justement ce que je voulais choper, mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà, si jamais sur le chemin on pouvait en trouver. Par contre, du coup, j'ai pas besoin de la peau de Dole. Je me suis un peu enflammé, il est vrai, mais bon, c'est pas grave. Hop. Eh mais attendez, mais, non mais là je brûle les étapes, il y a aussi un point d'interrogation là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est marrant parce que quand j'y pense, pour ceux qui ont suivi mon let's play sur GTA 5, bon ça c'était en live hein, qu'on l'avait fait, mais c'est vrai que je disais toujours... Ah mais non, c'était sur... C'était sur quel jeu en fait? Ah non mais non, c'est sur Euro Truck. Rien à voir, c'était sur Euro Truck. J'arrêtais pas de dire ouais j'adore les points d'interrogation, à chaque fois je vais toujours dans les lieux inconnus. Et en fait, l'histoire de ma vie c'est ça quoi, sur toute aventure, sur tous mes let's play, je vais sur les points d'interrogation, c'est incroyable. Cache de chasseur. Examinez la peinture rupestre pour trouver une ressource rare dans les environs. Ah, ça me rappelle près de notre village où j'ai quand même pas compris.
Ah ouais, regardez, c'est près des pierres. Donc faut trouver des pierres. Ouah, l'esquive de la loutre. Ouah, l'esquive de la loutre. Paf. Ok, d'accord, j'ai compris. Ya là. Paf. Voilà. Allez. Eh bien, salut à toutes et à tous. Oh, j'ai voulu tenter de la folie, voilà. J'ai voulu faire le bonhomme. On est là pour s'amuser aussi, merde. Hein. Allez. J'en peux plus. J'en peux plus de ce jeu, je fais que des bêtises. Hein. Je vais me faire niquer par maman. Je vais faire que des conneries. Oula, petit aigle. Oh, mais la peinture rupestre m'avait emmené là en plus, dans tous les cas. Donc il y a un trésor à trouver ici. Il y a un trésor à trouver ici, à mon avis. Salut. Vous voulez rejoindre mon village? Ah! Excusez-moi. Bah, il m'a pas découvert le lieu inconnu. Non, d'accord. Il y a quelque chose à trouver ici, il y a un trésor. Bah, c'est certainement ça là. Certainement sous l'eau là. Non? Ah bah voilà, feuille bleue, superbe le trésor. Ok. Putain, je vais tomber malade là d'être rentré dans les étangs comme ça. Oh mon dieu, c'est incroyable. Bon allez, direction la main d'Aïcha ainsi que la grotte. Et ensuite, dans ta gueule. Et ensuite, on passe concrètement à la suite de l'aventure. Oh, c'est de la peau rare. Ça fait plaisir, je prends. Ça fait plaisir, je prends. Allez, par ici mon kiki. Par ici mon kiki, ça fait que de gueuler, c'est complètement fou. Oh, c'est un petit petite forêt pas très paisible quoi. Bienvenue dans la préhistoire hein, avec des gros troncs. Ça manque de dinosaures quand même hein. C'est le mec qui comprend pas le principe. Aider les Wenja, protéger les Wenja des envahisseurs. Ouais mais vous m'en demandez beaucoup là hein. Vous m'en demandez beaucoup là hein. Je viendrai si j'ai le temps hein, d'accord. Mais là d'abord je m'occupe de la main d'Aïcha qui doit être à mon avis dans la grotte hein, tout simplement hein. Oui, elle est simplement dans la grotte. Hein. Donc, je vais y pénétrer. Qu'est-ce qui vous arrive, les Wenja, là? J'arrive, attendez. Si on peut agrandir la population. Attendez, je vais mettre des pièges. Ah, je peux pas. Ah, si, c'est bon. Hop, on va mettre des pièges. Maintenant qu'on sait comment ça marche. Protéger les Wenja, t'inquiète. Voilà. Impossible de placer un piège. Ah mais c'est des envahisseurs humains. C'est des envahisseurs humains. Ah d'accord, mais j'avais pas compris ça comme ça moi. Alors attendez, bougez pas. Parce que ça va chier des bulles. Hop là, ça dégage la racaille. J'aurais pu envoyer une bombe à piquant mais vas-y la flemme. Hop, ça régale, c'est Bibi qui régale. Il est où lui? Voilà, ça c'est fait. Aïe. Moi je sers à rien. Je sers à rien, mon dent de sabre il fait tout. Allez, attaque. Bon là par contre faut arrêter de se foutre de ma gueule. Eh hey. Voilà. Non là faut arrêter de se foutre de ma gueule. Mais wesh. Avatar. Attaque. Ok d'accord. Je suis une grosse merde. Je sers à rien. Voilà, je regarde juste le spectacle hein, les amis hein, parce que là Et bah voilà, protéger Wenja, tout le monde est vivant là. Ça va mon gars? Et bien alors, c'est fini? C'est pas fini. Ah ça vient par en haut, superbe. Ah ça vient de partout en fait. Attaque. Je m'occupe de ceux d'en haut là. Voilà, dans ta face de rat. Arrête. Paf. Incroyable. J'adore. J'adore. Paf. Voilà. Paf. Voilà. Et voilà. Impeccable. Il y a peut-être une troisième vague encore. Oui, je pense que c'est un petit peu en mode zombie le bazar hein. Ça mon gars. Oh. Ça rigole bien je trouve hein. Allez. Petite chouette hein, c'est à toi de jouer. Hop, ça dégage la racaille. Merci, bonsoir. J'adore ce jeu. Paf.
Dommage. Paf. Dommage. Attaque. Ok. Non mais frère, si. C'est incroyable. Bon, mon dans de sabre Ikari, hein. Attaque là au lieu de manger. Mais frère, il pense qu'à manger ce dans de sabre là. Un vrai bonheur. C'est un bonheur d'être nul. Je rappelle que je suis en difficulté difficile, les amis, d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'a pas changé le... On n'a pas changé la difficulté encore, hein. J'avais complètement oublié, hein. C'est un bonheur. Et bien voilà, on gagne quoi du coup là? Hein? On gagne que dalle. On n'a même pas la population qui augmente. Ah si, quand même. Ça y est, 106. On a passé évidemment le cap des 100, de la centaine de populace. Un vrai bonheur. Grotte de Shishta. C'est bon ça. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a du people. Attendez, on va aussi se les faire. Reste ici. Hop, regardez bien. Regardez bien ce qui va se passer, ça va être magnifique. Regardez bien ce qui va se passer, on va faire un petit enchaînement. Un petit enchaînement qui fait toujours plaisir. Hein. Allez, et de 1. Hop. Dommage. Yalla! Allez. Voilà. Allez, c'est parti, on va rentrer dans la grotte de Shishta. Juste pour vous montrer, attendez, on peut voir ça où? Option, gameplay, difficulté, difficile. Ouais, on peut changer à tout moment. Mais on est resté en difficile depuis ces 11 premiers épisodes, donc j'ai complètement oublié et j'en suis absolument ravi. Voilà, j'en suis absolument ravi. On va enflammer le gourdin. On va brûler ça. Voilà. On va attendre que ça brûle. Voilà. Oh, évidemment, je prends feu, mais c'est tellement con, purée. C'est terrible. C'est terrible, hein. Voilà, c'est un jeu de patience également, hein. Aïe, 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 oui. Voilà, qu'avons-nous là? Un sac, superbe. Graisse animale, j'adore la graisse. Là, il y avait du feu. Là, il y a un mammouth qui est dessiné. Cherchez. Hop. Merci, bonsoir. Bois dur. On va aller à droite. J'aime toujours prendre des chemins à gauche, mais je change de bord. Voilà. Oh là là, c'est gigantesque. Mais les grottes comme ça, mais c'est terrible. Plus on avance, plus les grottes sont terribles. Ah, c'est moins monotone quand même, hein, qu'au début, hein. Ça, c'est clair, hein. Ça, on peut pas leur enlever. Oh, quelle dinguerie, mais quelle dinguerie. On va se perdre. Après, on s'en fout si on se perd, hein. Sincèrement, tout ce qu'on veut, c'est récupérer la main d'Aïcha et la peinture rupestre, hein. Peu importe ce qu'on explore ou pas. Rien à péter. Là-bas, il y a la pierre déjà, je la vois là-bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va prendre le grappin, on va faire un petit peu James Bond. Donc, ou Yamakasi, hein, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors, on va remonter un peu, on va prendre de l'élan. Difficile de prendre de l'élan. Parce qu'on a la... On a ça qui gêne. Ça y est, regardez bien, là. Hein. Ah, bon, bah c'est gênant. Oh, c'est pas grave. Allez, brûle-moi ça, là. On va passer par ici. Alors je sais pas d'où je viens, hein. Clairement je sais pas d'où je viens. Comment je fais pour monter là? Parce que la pierre est là-haut, hein. Ok, ça c'est ce que je viens de brûler. Oh, ça va déjà me casser la tête. Griffe grappin, mais j'en ai rien à foutre, moi. Moi je veux monter là-haut là. Mais je suis bête. Je suis bête, voilà. Hop. Il y avait vraiment le chemin, hein, pour le coup. Vois sur ton chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Feuille verte, c'est top ça. Et alors là, comment je vais faire? Est-ce qu'il y a un move à faire genre ça? Bien sûr. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et la pierre rupestre, ben, elle doit être à l'opposé de toute façon. La pierre rupestre, n'importe quoi. La peinture rupestre. Attends, on va quand même regarder. Elle est par là. Oui. Ingénieux, n'est-ce pas? Bon, dans tous les cas, je sais pas comment faire pour ressortir d'ici. Donc ça tombe plutôt pas mal. Voilà, écoutez, on va tout simplement... Non, 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 mais non. Mais pourquoi tu fais ce que je veux pas? Descends. Regarde, elle est juste ici, gros. C'était la grotte facile. Oh, c'est beau. Ça va où, là, hein? Excusez-moi, ma curiosité va finir par me tuer, hein. Oh. Oh. D'accord, non, mais j'explore des... Oh.
du poison, voilà. On a une zone de poison là-bas. Bon, c'est juste pour trouver un trésor visiblement. Allez, maintenant on va essayer de sortir. Et ça, c'est encore pas gagné, hein. C'est encore pas gagné, mine. D'ailleurs, pour ceux qui auront la ref, hein, Far Cry 4. Mais je pense que c'est par là. Mais attendez, il y a des accès partout là. Où c'est qu'on va là? Ok. Quoi? Je dis ok, hein, je fais genre. Mais je pense que là, c'est un long couloir. Non, je sais pas du tout où c'est qu'on va, mais on y va. C'est un bonheur. Bah, fais un effort quand même. Mais gros, mais quoi? Là aussi? Ah, du poison. Bah, ça ressort peut-être de ce côté-là. Peut-être. Bon, à mon avis, là, j'ai trouvé une autre sortie. J'espère que c'est une sortie. Simplement. Eh bien. C'est la sortie, mais parce qu'on vient de là, on est allé à droite. Et ça va où à gauche? Ça va où à gauche? Ça... Non, 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 il y a du poison, remonte. Remonte. C'est encore une zone de poison. Bon, tout ça, c'est des zones, en vrai, on s'en fout un petit peu parce que c'est juste pour nous donner des loots. Alors oui, c'est sûr qu'on peut passer à côté de certains loots. En tous les cas, on les trouvera toujours au bout d'un moment, ces fameux loots. Donc c'est pas non plus une fin en soi, c'est pas non plus un problème. Bref, messieurs, dames, la grotte est explorée et j'ai le plaisir de vous dire qu'au bout d'une demi-heure de vidéo, on va enfin faire cette mission principale, Jaima la chasseresse. Ça va titiller du mammouth. Ça va téter de la moumoute et ça fait plaisir. Allez Jaima, régale-moi. C'est par ici bien sûr. Que tout commence. Hop. Joignez vos chasseurs. Chasseur Wenja approche. Où sont les frérots? Ils sont là-bas les frérots. Atteignez le terrain de chasse. Donc là on se fout littéralement de ma gueule puisqu'on me fait repartir à l'opposé. Viens là bébou, j'en ai marre de marcher. Allez let's go. À la mode again! Putain, si avec ça on n'est pas des warriors. Torche à la main enflammée, sur un dent de sabre, à la préhistoire. Sans déconner quoi. Oh, bonjour à vous. Allez, c'est par ici. Aïe, je me suis brûlé. Incroyable. Ça y est, les Wenja sont là. Bonjour les collègues. Vallée du Nansan en déroute. Et bah, comme ça on découvre également des endroits. C'est top. Salut mon gars. Tu t'as capté que je parlais à ta collègue là? Atteignez le mammouth. Eh, on est sur GTA. C'est incroyable. Le mammouth. Ok ouais, en gros faut attirer le mammouth. Attends, reviens. Eh oh, tu te fous de ma gueule? Bah oui, faut qu'on puisse quand même tracer quoi. Ok, tu vois le mammouth? Moi je le vois là. Donc là on va l'attirer. Salut. Salut mon grand. Attirer le mammouth. Eh oh. Mama Fadi. Dans l'œil. Attends. Ah ça y est. Ça y est, je crois que... Paf. Je crois qu'il vient. Oh, je crois qu'il vient. Je crois qu'il vient même très très vite. Ah! Ouais, il va super vite. Allez, 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 attaquez, 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 attaquez. Tuez le mammouth, t'inquiète. T'inquiète, on va l'attaquer. Paf! Oh le bâtard. Ah yes, ah ouais. Ah là il me faudrait une barre de vie supplémentaire. Bon bah mon dent de sabre il est finito hein. Mon dent de sabre il est finito. Oh il est pas finito, debout. Debout. Fais pas ta Valérie Pécresse hein. Ah vous connaissez pas encore ça à la préhistoire. Tu forces. Tu forces là. Tu forces mon gaillard. Je suis sûr il y a moyen de grimper non? En vrai là. Faut pas grimper là. Aïe. Voilà.
tu vas rien faire du tout là. Voilà. Bravo les loulous là, vous êtes trop forts. Alors toi debout. Et toi je te dépece. C'est possible? Ouais, bravo. La bête majestueuse. Vous parlez de ma bête, c'est ça? Ouais, je pense hein. Ça va? Ah, c'est la première voyelle de l'alphabet, vous verrez ça plus tard. Après il y a B. Bon bref, superbe. Ça mérite une feuille verte. Un peu de la Marie-Jeanne là. Bon bah c'est top. C'est top, c'est top. C'était vraiment comme une mission secondaire hein, pour le coup hein. Et on n'a rien débloqué de plus hein. Je suis dégoûté. Mais du coup on aura découvert, regardez, cet endroit, hein, vallée du NASA en déroute. Voilà, et on a un lieu inconnu ici, on a un lieu inconnu là. Enfin bref, plein de choses encore à voir. Un masque Isila ici, plus communément appelé Dorito. Du coup voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a trop de trucs à faire, il y a une grotte en bas. On part dans tous les sens, c'est un bonheur lui, on l'a exploré, c'est bon. Bah écoutez. Écoutez, compétences, pour le moment on va économiser. Bah non, du coup on va débloquer ça. Et comme ça, prochaine étape, encore 2 points de compétences et on pourra gagner une barre de santé. Supplémentaire. Et d'ailleurs, attendez, vision de chasseur, les plantes, vision de chasseur, les 5, non, on s'en fout. Attendez, marquage d'animaux. Ouais, dégâts de chute réduits, blessure animale, augmenter les dégâts que vos armes infligent aux animaux. D'accord, confection de flèches, plantes rares, dépeçage. Dépeçage 2. Mm-hmm. Ici, la régénération de santé, sprint discret. Ah ouais, sprint non-stop, santé supplémentaire, 4, 3, 1, eh mais là ça part dans tous les sens ou quoi? Bon on va économiser, hein. On va économiser, on a tellement de choses à faire, on pourrait explorer là, on pourrait explorer là, on pourrait explorer là, on pourrait faire les missions principales. Attends, foyer de la chasseresse, Wenja, non elle veut même pas nous parler en plus. Non mais moi je veux mon antidote poison. Bon bah tant pis. Allez, on va découvrir les points d'interrogation et puis on va se balader un petit peu vers le nord. On va un petit peu débloquer les avant-postes ici et là hein. Ah, c'est un petit peu un épisode intermédiaire j'ai l'impression. Avant qu'il nous arrive des grosses dingueries hein. Je sens que c'est un petit peu ça. Après de toute façon on n'a pas le choix là. Faut vraiment qu'on commence à se préparer petit à petit, à se débloquer vraiment un maximum de points de compétences pour avoir de plus en plus voilà, de santé, de possibilités voilà, pour pouvoir un petit peu mieux gérer tout ça quoi hein. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu vas rien faire du tout toi. Hop. Voilà, terminé. Il est pas mort? Ah voilà. Je me disais bien. Donc voilà, on va se balader un petit peu pour explorer également certaines choses. Et puis si on peut trouver les peaux d'animaux comme dit qu'on voudrait, ce serait pas mal. Schwalda! Oublié. Il y a un serpent pas loin. Moi ce que je vois c'est ça. Bah c'est pareil, il faudrait tu sais du bois, bois du cèdre du nord et du cerf. Et bah voilà. Ah mais c'est pas du cerf rare. Grand élan. Bon. Y a pas de cerf là-bas. Ok, donc ce qu'on va faire, on va faire le tour du... Oh putain, y a trop de trucs à faire, ça m'énerve. Là on vient de débloquer un feu de camp, en gros là. Très difficile, avant-poste du lac pourri. Et il y a du cerf à côté. Venez, on descend. On va descendre. Allez, c'est parti. On va descendre. On va aller. Eh. Hey boy. On va descendre tout au nord. Tu sais quoi? On va descendre tout au nord de la map. Non, tout au sud, pardon. Et comme ça, ça nous permettra de voir les limites également de la map, jusqu'où on va pouvoir aller et nous donner un petit peu une idée de la grandeur de la map. Et voilà, comme ça on va explorer par là-bas, ce sera très très bien. C'est une très très bonne idée que je viens d'avoir en direct, parce que sinon on va jamais s'en sortir en fait, hein, rester indécis, à ne pas savoir ce qu'on veut faire. Donc là, clairement, on est parti pour se balader, pour explorer, pour chasser, pour gagner des points de compétences, pour faire des événements sur le chemin, pour récupérer de la populace, etc, etc. Tout simplement. Voilà, on va se refaire des flèches. Ah bah il me faut du bois. Il y en a plein sur le chemin. De toute façon là c'est pas compliqué. Donc c'est pas un souci. On se régale en tout cas. Donc là on va grimper, d'accord. On va grimper.
Je n'avais pas prévu ça. J'ai hâte de voir le lac pourri. Qu'est-ce qu'il nous raconte par là? Ah, on a un événement Wenja. Protéger les Wenja des envahisseurs. Pas de problème. Je viens de faire Spider-Man là ou quoi? Vous avez vu ce qui vient de se passer ou quoi? Eh, Spider-Man, hein, c'est vraiment... un vrai bonheur. Hop. Là. Continue par ici. Très bien. L'aigle royal. J'adore le concept. Je jure, ça me donne presque envie de retenter Far Cry 5 hein, une fois que j'ai fini Far Cry Primal. Mais bon, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Alors. Que pasa? Que pasa? Eh mais c'est moi qui suis nul là ou vraiment? Oh, je peux même pas récupérer les loot. Ok. Attendez, attendez, je me baigne un peu là. Protéger les Wenja. Attaque! Oh le bug. Voilà, toi dans ta gueule. Toi dans ta gueule. Voilà, c'est bien. Ok, il y a un masque d'Orito, attendez, attendez, on va monter, on va grimper, tu sais quoi? Ah, j'aurais pu soigner ma bête quand même, bon, c'est pas grave. On va prendre de la hauteur. Voilà, toi tu vas rien faire du tout. Voilà. Yala! Voilà. Allez, je regrimpe parce qu'à la base, j'étais appelé d'une mission. Alors, où est-il le masque d'Orito là? Je l'entends. Il doit être là-haut. Non mais je peux pas grimper là. Bon. Chaque chose en son temps. Ah. Les gars. Mais non mais les gars. Et voilà, il y en a un qui est mort. Wesh. Mais c'est pas possible. Arrête. Bon bah là tous mes Wenja sont morts là. Là les Wenja ils vont tous mourir là. Je sers à rien là. Yalla! Ah ouais, non, mais là, si le jeu me propose pas des actions de dingue. T'es où? T'es là? T'es plus là. T'es encore là. Attaque! Aïe! T'as fait super mal! Tu fais quoi toi? Tu t'es pris pour un sniper? Ah, ok. Voilà. Bah j'ai trop le seum. Il est où le deuxième survivant là? Il me dit qu'il reste deux survivants mais moi j'en vois qu'un seul hein. Bon, on va envoyer un hibou. On va mettre toutes nos chances de nos côtés. Voilà, et on va envoyer une bombe à piquant là, regardez. Voilà. Ah c'est excellent. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Je suis fan. On va en refaire. Je suis trop fan. Tiens, mange. Ok. Oh là. Attends. Voilà. On va pas se faire chier hein. Voilà. Bon bah malheureusement j'en ai sauvé que deux hein. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. Voilà tout simplement. Alors on va refaire des flèches. On va refaire ça. On va refaire ça également. Ça c'est bon, voilà. Très bien, on est pas mal là. On est pas mal là. Bon, je suis un petit peu déçu d'avoir chié dans la colle. Le masque d'Orito. Le masque d'Orito. Malheureusement on les aura pas tous trouvés. Hop, voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir descendre du côté de cette fameuse grotte. Ça peut être pas mal. Et comme ça, on se fera l'avant-poste. Sauf que le problème, c'est que le soleil est en train de se coucher. Mais c'est pas grave, il y a un feu de camp, donc on pourra dormir en bas. Et bah oui, c'est une grotte, donc forcément, il y a une main d'Aïcha. Allez, on y va. Donc le soleil se couche au bon moment, en vrai. Et on a un autre event en bas. Ça, c'est que le troisième masque qu'on trouve là. Il se passe quoi ? Prise d'otage. Pas de problème, j'arrive. J'arrive.
Hop, ça dégage. Voilà, il l'a pas vu venir celle-là. Hein. Ça s'appelle la mort vient du ciel. Hein. Il l'a même pas vu lui. Est-ce que je tente de lui sauter dessus? Parce que je sens que je vais mourir donc. Voilà. Ouais, bah heureusement que j'ai pas tenté. Je pense que ça aurait pas réussi. Hop, allez monsieur. Ça c'est fait. On enchaîne, on n'a pas le temps. On est vraiment les héros de la préhistoire. On est vraiment les héros de cette nation. C'est un cerf ça. C'est un cerf, c'est quelque chose que j'ai besoin. Il y a une main d'Aïcha juste ici. Il y a une main d'Aïcha juste ici, messieurs dames. Let's go. En fait, c'est parfait ça. C'est parfait. On récupère ça aussi tant qu'on y est. Et la grotte, bah il faut que je remonte du coup. Mais j'ai bien fait de descendre. Ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Salut toi en bas là, ça va? Hop. Feu de camp découvert, voilà parfait, comme ça on pourra dormir sans aucun problème. Mais d'abord on va rentrer dans la grotte. Par contre j'ai plus de flèches. Wesh, ça m'a fait peur. Bonjour. Grotte du Whiska douloureux. Eh ah, ben. Ok, dégage toi. Je t'épargne. Je t'épargne. Eh, t'en fais du bruit toi hein, mon loulou hein. T'en fais du bruit mon loulou. Par ici messieurs dames. Par ici bien sûr. Bon. Voilà. Là on peut pas passer donc faut attendre. Oh ça c'était rapide, t'as vu ça? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Tu sens de la bouffe? Tu sens de l'animal? Alors, allez, on va aller à droite. Je vais commencer à reprendre de nouveau quelques ressources sur le chemin quand même. Il est où le serpent? Il est où le serpent? Ah, il y a peut-être une fosse au serpent en bas, tiens. Manquerait plus que ça, tu sais. Ah ouais. Ah ouais, 1, 2... Ah ouais d'accord, y'en a pas d'autres là? Ah bah ça va alors. Voilà voilà. Non mais bon à un moment donné c'est un fort. Qu'est-ce que c'est terrible. Qu'est-ce que c'est terrible messieurs dames. Allez on y retourne de toute façon. On sait ce qui nous attend en bas. Fallait savoir que ça allait me one shot là comme ça. Moi je pensais que je pouvais me glisser à côté tu vois. Bon faut faire un effort quand même s'il te plaît hein. Faut faire un effort. Allez. Je vais me venger, vous inquiétez pas. Ah oui, parce qu'il faut refaire là. Oh, c'est terrible. Je sais comment je vais me venger. Vous allez voir, ça va être de la folie. Hein. Ça va être du spectacle que je vais vous proposer, messieurs, dames. Tac. Avec mon petit gourdin enflammé là. Ça va être un beau petit cocktail Molotov que je vais vous proposer. Hop. Voilà, et là, normalement. Ah bah, ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien, hein. C'est vraiment superbe. Ouais bon, allez. On n'est pas censé aller en bas alors, on va dire. Hein. On va dire ça. Qu'est-ce qui se passe par ici? J'entends des esprits. Oula. Ah bah il y a du poison. Il y a du poison. Là il y a quoi? Là il y avait un truc. Eh. Attendez, j'avais une interaction là, non? Bah ouais non mais frère. Bon attends qu'on y est hein. À la one again. Voilà ça passe. Ça passe mon gars. Oula. On descend vraiment là? Bon bah descendons. Descendons descendons. Ah. Ah ah. Oula. Où c'est que tu m'emmènes mon bichon là? On entend des bruits d'esprits. Les esprits de la préhistoire. C'est complètement fou. Oh, mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Mais la main d'Aïcha est par là. La main d'Aïcha est par là, je le ressens, il y a du poison. Bah ouais, il y a du poison. Allez, j'y vais. Je suis un génie. J'ai réussi à passer.
Ah non, c'est trop important ça, j'aime trop. Maintenant pour remonter, ça va être une autre histoire. 3, 2, 1. Yes. Oh bah alors là, j'ai eu chaud au kiki là. Oh bah alors là, j'ai eu chaud au kiki. Hein. Là, je me voyais mort. Là, je me voyais mort. Donc ça, c'est fait. Manque plus que la peinture rupestre là à trouver là, mes couilles. Bonjour. Allez, on va aller par là. J'adore j'adore ce jeu. Ça part dans tous les sens. Je sais pas ce que j'ai exploré, ce que je n'ai pas exploré. Je sais même pas d'où je viens réellement. Mais bon, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Donc j'ai plutôt intérêt à retrouver la sortie. Ce serait pas mal. Bon, déjà je viens de là-haut là. Je viens de là-haut. Chercher quoi? Là, ok. Là je peux grimper, c'est bon. Parfait, impeccable. Là aussi. Voilà, la tête la première. Hop, et alors là je sais plus d'où je viens. Non, je suis allé là, donc on va là. On revient là, oui voilà, c'est ça tout à fait absolument. Voilà. Parfait, on va se permettre, écoutez, regardez, peinture rupestre. Enfin, c'est dans le bon chemin. On vient de là-haut, on vient de là-haut, donc là, je pense que c'est l'accès du bonheur. Oh oui, messieurs, dames. Let's go. Là, nous avons l'accès du bonheur. Oh yes. Oh, mais c'est si profond. C'est si profond. Ça qui est bon. Ok. Il y a du serpent là également. Non mais là par contre faut arrêter de se foutre de ma gueule. Hein. Voilà. Là il faut mourir les enfants. Hein. Bon lui il est finito. Lui il est finito. Ah. Gênant. Voilà, lui il est finito. Et enfin... Ah non mais il y en a beaucoup trop frère. Je crois qu'ils sont tous morts. Non mais non mais non mais non non mais non. Mais là il faut arrêter. Il faut arrêter les bêtises. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, c'est bon. Hop. Et ben voilà, la peinture rupestre juste ici. Bah je suis très content parce que je pensais que je n'y arriverais pas. Autant vous dire que je suis heureux, je suis refait, je suis ravi. Maintenant il n'y a plus qu'à sortir. Il n'y a plus qu'à sortir, plus qu'à dormir et faire le big avant-poste. Tah, la complication. Parce que là, ça va être hardcore les amis ce qui nous attend. Donc là je compte sur vous pour votre soutien. Maximum de likes, comme vous savez faire. Maximum de commentaires de robots. J'adore votre contenu. Vous voulez voir mes seins? Allez, c'est parti. Ah mon dieu. Malheureusement, ce ne sont que des robots. Comment j'allume le gourdin là? Vous avez vu, des fois ça marche pas. Puis des fois ça marche. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à ressortir. Parce que ça, c'est encore pas gagné ça. Hein. Ça, c'est pas gagné. Là. Là. Non. Là, oui, c'est bon. Là, il y a la liane. Comme dit, quand t'as le dessin en fait de l'aigle, tu sais qu'il faut que tu regardes en haut, quoi. Hop. Voilà. Ah, ah ça, c'est un peu embêtant, ça. Ah oui, mais oui. Ça, c'est embêtant, hein. Si la corde passe à travers la pierre. Ah, ça a été bien pensé, mais c'est bon. Ah là j'étais déjà en train de pester, je me suis dit bah super, les développeurs ils ont même pas testé. What? On vient même pas de là. On vient même pas de là. Ok. Oui bah tu vas te détendre. C'est très stylé d'être en feu, non? On vient pas de là. On était passé par au-dessus. Bah je vais tenter un coup de maître. À moins que... Yes, c'est bien ce qui me semblait. Bah je vais tenter un coup de maître. C'est parti. Voilà. Le coup de maître en question. Est-ce que franchement les gars, je ne suis pas un crack. Oh non. Oh non, fallait que j'aille de l'autre côté en plus. Hein, j'ai trop le seum. À la one again. Voilà, ça passe. Bon, elle est où la sortie, bordel? Dites-moi que c'est par là, hein. Là, il y a du... Oui, c'est bon. C'est parfait.
On a... Ouais, je suis content. Et franchement, en vrai, j'ai pas forcément le sens de l'orientation, mais j'ai un peu de jugeote. Et je vous ai peut-être épaté. Le soleil se couche ou le soleil se lève? J'ai l'impression que le soleil se lève. Hein. Jour. Ah, le soleil se lève. Putain, on a même pas besoin de dormir, c'est bon ça. Cache des récompenses, on a des trucs ou pas un peu là? On récupère un peu. Tac, tac, tac. Voilà, la viande, les feuilles. Bon. Le bois, ah là les roseaux. Puis là, bah là, là ils servent à rien là. Hein. Pourquoi personne me trouve des pots là? Hein? C'est quand même dingue. Si on regarde un petit peu d'ailleurs, village. Voilà. Recevez un bonus de 2% d'XP tous les 10 membres de la tribu secourue. C'est tout! Donc là, on peut augmenter la tribu, mais ça change pas. C'est pas non plus incroyable. Ok. Très bien. Oh, 4 points de compétence. Alors attendez, apprivoiser des prédateurs rusés. Non, moi ce que je voulais, c'était voilà la nouvelle barre de santé. Bam! Voilà, priorité au direct. Regardez en bas à gauche, messieurs, dames, on a une nouvelle barre de santé. Avec ça, on va se régaler tout simplement. Non, le soleil se lève ou se couche? J'arrive pas à savoir. C'est où l'est déjà? Ah, là-bas c'est le nord. Donc là-bas c'est l'est. Bah non, là-bas c'est l'ouest. Le soleil se couche, messieurs, dames. Le soleil se couche. On aurait pu se faire arnaquer, hein, clairement. Le soleil se couche. Allez, au dodo. Il est où le lit? Il est là. Jusqu'à l'aube. Bien évidemment. Et là, ça va être le moment très cocasse. J'espère qu'on va réussir du premier coup. Je sens qu'il va y avoir 3, 4 alarmes, plus 3 alerteurs, minimum. En vrai, ça craint. Récompense quotidienne. Alors, attends, est-ce qu'ils vont trouver des trucs de ouf ou pas? Oh, regardez, ils m'ont trouvé des brindilles, c'est superbe. Oh, les gros nuls. Bon, messieurs, dames, parlons peu, parlons bien. C'est la merde. Très difficile, je crois que c'est le premier avant-poste très difficile qu'on va faire. Aussi fou que ça puisse paraître. On va se faire un maximum de flèches. Oh, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Bon, là on a la hauteur, c'est pas mal. On peut se permettre de descendre tout en gardant la hauteur. Ça c'est top. Hop là, la descente en rappel. J'ai pas un autre... Je peux pas m'accrocher ailleurs là? Ça m'étonne rien. Ah si, je peux descendre encore. Voilà. Bon, on les entend d'ici. On les entend d'ici. Ok, on va vraiment garder la hauteur. Pour le coup. Aïe aïe aïe. Oh! Ok. Ouah, c'est beau. Le lac pourri. Incroyable. Ok. Ils sont trop loin. Ils sont encore trop loin. Allez, mon hibou. Marque-les-moi. Il y a même des otages. Ok, les alerteurs. Oh. Même là, il y a du people. Même là il y a du people. Alors on va faire un petit tour de repérage comme ça. Et après on va attaquer les alerteurs. Oh, ils sont super nombreux. Regardez, il y a 3 alerteurs déjà, j'avais raison. 1, 2 et le troisième plus loin là-haut. Alors c'est ce qu'on va faire. Pour éviter toutes sortes de folies, on va déjà fumer lui là. Oh, je peux pas. Ah si, je peux. Hop. Voilà. Il manquera à personne. Il manquera à personne. Et là, ce qui est top, on a juste à attendre une trentaine de secondes et on pourra le rappeler. Et ça, c'est pas mal. Alors, on peut se permettre de descendre un peu, de se rapprocher. Je suis sous pression, là. Je suis sous pression. J'avais vu une alarme. Ici, là, il y a une alarme. Il y en a une deuxième là-bas, en fait. Hein. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Par contre, je peux envoyer plein de bombes à piquant. Et si j'envoie des bombes à piquant, ils savent pas que c'est moi. En vrai. Donc ils vont alerter personne. Bon, heureusement j'ai mon hibou. C'est vrai que la chouette, c'est chouette. Tiens, on va voir ce qu'elle est là. On va juste confirmer qu'il y a bien 2 poteaux d'alarme.
Ah non, il y en a un là, non? Non, c'est bon. Donc là, il y a un poteau d'alarme ici, un poteau d'alarme là. Maintenant, faut que je tue les alerteurs. Là-bas, il y a un alerteur. Ah, ils ont déjà vu le cadavre. Et il y a un alerteur là-bas aussi. On va commencer par lui, là. Voilà. De toute façon, là, ils peuvent rien faire, c'est qu'une chouette. Ils peuvent pas être en alerte. Il n'y a plus que lui à tuer et détruire les alarmes. Et une fois qu'on a détruit les alarmes, on est tranquille. Reste là, toi. Oh, c'est la merde. C'est le début des embrouilles. Ils viennent sur moi. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde, il faut que je me barre. Chut. Bon. C'est la merde un peu là, non? Pourquoi ils sont alertés là-bas? Bon. Quand faut y aller, faut... je crois qu'ils se sont calmés, c'est bon. Quand faut y aller, faut y aller. Donc ce qu'on va faire, on envoie une bombe ici. On envoie une bombe là. Et on envoie des bombes là. Voilà. Et là c'est le début des embrouilles. Des renforts ont été rappelés. Mes frères. Mes frères. Et c'est des abeilles, frère. Ah d'accord. Bon. Tant pis. Attaque. Oh, c'est la merde. Je tente des trucs, hein. Je tente des trucs. Je l'ai envoyé au casse-pipe, le pauvre. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant de prouver. Putain, y'a du poison. Ah ouais, parce que le lac est pourri, d'accord, ok, j'ai compris. Où c'est qu'il y a un gars? Ah, là-haut. Dommage. Dommage. Bon, on va laisser le temps faire. Hein. Le temps fait bien les choses. Bon, il me fait quoi là-haut là? Eh oh, se calme. Monsieur. Tenez, tenez, tenez. Oh non. Je me suis pris mes abeilles. Hop. Ah bah voilà. Incroyable. Ça n'y a rien comprendre. Mais les essaims d'abeilles, ça fait quand même le taf. Là j'en ai buté 4-5 sans qu'on ait capté, tu vois. Ça rend le truc un peu plus facile et heureusement d'ailleurs. Je rappelle que je suis en difficulté difficile. Le mec il flex. Ah c'est bon ça. Eh bah j'ai vraiment cru que j'allais pas m'en sortir. Parce que c'est pas facile ici, hein. Comment je me suis fait cramer comme un nul? Ah je me suis fait cramer comme un nul, hein, il faut le dire. Hein. Il faut le dire, bah je suis bien content. Et un nouveau point de compétence évidemment. C'est top ça, c'est top, c'est top. Du coup si on regarde la carte, voilà, on voit un petit peu mieux. Et là on arrive... non, il y a encore de quoi explorer en vrai, ça va, c'est bon ça. C'est bon. Bon, il y a plein de feux de camp, plein de points d'interrogation sur le chemin partout, c'est terrible. Lui c'est exploré, c'est parfait. Si on pourrait se faire un petit cerf du coup là. On va terminer cet épisode sur un petit moment de chasse, hein. Si on pourrait se faire un petit cerf, ce serait superbe. Après il faut de la peau de cerf rare pour la hutte, donc je suis pas sûr qu'on va quand même... Ça aurait été pas mal qu'il y ait un système de marchands. Alors j'imagine qu'à la préhistoire c'était peut-être pas forcément comme ça non plus. Mais voilà, un petit système de marchands, ce serait stylé. Pour pouvoir vendre... récupérer de la peau de cerf en vendant et tout. Mais va te faire foutre. Alors toi... Voilà. Hop. Je t'ai brisé les jambes. Impeccable. Ouais. Bah là y'a du cerf là. Là y'a du cerf. Là y'a un cerf. Ok. On va essayer de faire ça intelligemment.
C'est bon. Ah bah par contre headshot, il aura pas souffert. Il aura pas souffert. Attends, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Dommage. Oh. Dommage. Bon. Il est où? Mais non. Ah il est là. J'ai eu peur. DPCCR. Dis-moi que je peux faire village. Et voilà, peau de cerf rare. Il faut de la peau de cerf rare. Mais comment tu fais pour trouver de la peau de cerf rare? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais bah voilà. Pourquoi je m'embête? C'est vrai ça. Alors est-ce qu'on peut tomber sur du cerf rare du coup là? Peau de cerf. Non. Putain, ça existe pas la peau de cerf rare. Enfin je veux dire du cerf rare ça n'existe pas. Ça c'est un grand élan. Donc ça n'a rien à voir. Ça c'est le dôle. Là-haut. Là-haut il n'y a pas de cerf dans la neige hein. Là. Cerf. Mais ouais, c'est pas cerf rare. C'est cerf quoi. En fait faut avoir de la chance pour trouver du cerf rare. Ah j'ai trop le seum. Bon mais les amis, on a vraiment de quoi faire hein, pour les prochains épisodes pour le coup hein. Et là il y a un bûcher difficile hein. J'ai envie de me le faire. Ah j'ai envie de me le faire là. J'ai envie de me le faire maintenant. Viens là mon loulou. On va continuer l'exploration. On va juste se faire le bûcher et on s'en arrêtera là pour cet épisode. Je fais durer le plaisir, j'espère que vous kiffez. Parce que moi j'adore. Hop. On y va. Hop là. Allez mais saute putain. C'est vraiment une victime bolos hein. Go go go. Go 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 go. Oh là là, si on n'a pas la classe, moi ça me trouve ça incroyable. Une vue troisième personne en vrai ce serait très stylé. Ce serait très 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 stylé. Ce mec. Il me faut ses serres là, il me faut ses serres. Venez. Ok. Allez, attaque, attaque. 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 Ah ouais d'accord. Mais gros! Voilà! S'il te plaît. Peau de cerf. Allez, let's go. Ça me fait chier, putain. Ah non, ça c'est des chèvres. C'est des chèvres, c'est des chèvres. Reste là, reste là. Bon! Eh bien, ma foi. Attendez, c'est quoi ça? C'est pas quelque chose qu'il faut? Ah non, poudre du. Je sais pas quoi là. Salut. Tu sors d'où toi? Ah, j'ai trop le seum. Allez, on continue notre expédition. Direction le bûcher. Salut les rouillas. Ok. Oh. Prenez-en plein la vue, profitez-en. C'est tellement beau, c'est tellement chouette. J'arrive pas à m'imaginer la prochaine étape graphique des jeux en vrai. Salut. Ça c'est un grand élan, hein. C'est pas un cerf hein. Donc ça sert à rien de vouloir... Il me semble que j'en ai pas besoin. Putain mais j'ai pas vu qu'on était arrivé là. Il s'agirait de commencer à être discret là. Bon. Qu'avons-nous là? Merci. Oula. Y'a des drôles de bruit là-haut. Y'a des drôles de bruit là-haut. Allez hein. C'est du spectacle que je vous offre. Bonjour. Ah y en a un qui est capturé en fait, d'accord. Bon masto. Bon ça va, c'est pas non plus Ah y'a un alerteur quand même hein. Alors l'alerteur ce sera la priorité. Mais bon on va faire un petit spectacle quand même. Hein. Hop. Bombe à piquant et hop. Voilà, vous allez faire quoi? Eh ben vous allez rien faire. Ah mince, par contre le masto là-bas n'a pas été touché.
Voilà, regardez ça, c'est du spectacle. Hein. Regardez ça, c'est du spectacle. Ah le bâtard. Oh le con. Bon allez, fini les conneries. Aïe. Voilà. Ça c'est fait. Wow l'esquive. Bon les avatars ils vont se calmer. Wow l'esquive, pareil, je suis un génie. Bon allez attaque là, qu'on en finisse là, ça me saoule. Voilà. Tac. On va faire ça en mode badass. Hop. Voilà. Plus le temps pour vos conneries moi. Bref les amis, on s'en arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Moi j'ai kiffé. On a fait plus de la moitié des bûchers. On se retrouve très vite pour la suite de notre incroyable aventure avec pas mal de choses à faire, franchement. On va pas se mentir. Je pense qu'on ira retourner quand même voir le chaman. Ça peut quand même servir. Et puis ça change, ça va changer quand même. Ça va changer de ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà. Allez, plein de bisous les amis et à très vite. Ciao tout le monde. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache nouvelle vidéo en ligne à 16h. Tu fais plaisir.